Donc là, je mets un peu de frein filet, mais c'est vraiment un léger, hein. C'est juste pour maintenir, hein. En aucun cas pour coller ou sceller, juste pour maintenir, voilà. Parce que je voudrais pas avoir des mauvaises surprises avec des vibrations. Le couple de serrage de cette vis-là, c'est 15,7 Nm, ok. Donc on met ça, on prépare sa clé et on y va. Tout simplement. We'll be right back.
toujours. Hein. On change les joints, on met toujours des joints neufs. C'est le minimum, hein. C'est le béaba de... On va remettre en place la pompe à eau, à savoir qu'il y a deux joints toriques qu'il faut changer systématiquement. Okay. Sur chaque joint, il y a un repère de couleur. Ici, on a un bleu et ici, ce qu'il en reste, un bout de jaune. Okay. Donc le jaune vient toujours côté poulie. Okay. Le couple de serrage de la pompe à eau est de 9,6 Nm. Allez, c'est parti, on installe. Alors, on peut s'aider facilement en mettant un peu d'huile de moteur sur le joint, tout simplement, ou du liquide de refroidissement. Pas 3 litres non plus, hein, d'huile moteur, parce que sinon, ça va pas le faire. On place la pompe à eau et on se sert juste des vis pour pouvoir la rapprocher gentiment. Alors, faut essayer d'être le plus droit possible. Voilà. En fait, si vous la placez bien, il n'y a quasiment pas d'espace entre son support et la pompe. C'est bien qu'il n'y a vraiment pas grand chose à rapprocher en serrant. Bien sûr, vous serrez ça gentiment, vous rapprochez l'un des autres. Oui, on va mettre juste du frein filet. Tiens, tu me donnes le produit, s'il te plaît. Donc, pour le coup, on va mettre un peu de frein filet, mais qui ne sert pas beaucoup. Juste histoire de maintenir. On reconnaît, on en met un peu sur le bout. Voilà. Surtout, il ne faut pas sceller. Hein. On produit un frein filet qui. Pas pour sceller, juste pour maintenir. Hein. Voilà, hop. Et on va serrer ça donc à 9,6 Nm. Au moins, on est tranquille. Si c'est soumis à la vibration, normalement, on n'en met pas. Mais moi, je préfère en mettre. C'est pas pour ce que ça coûte. Et comme ça, un filetage, enfin un serrage très léger, on évite les mauvaises surprises au cas où il y en aurait. Allez. Merci. Un petit peu partout. Comme ça, se replace bien. Voilà. Là, on est déjà. Voilà. Là, on est collé sur la tôle. Là, on est collé sur son support. Il n'y a plus qu'à mettre au couple, là, tout de suite. Tu me sens le feutre bleu là-bas, s'il te plaît. Alors, on serre au couple, en croix, tant qu'à faire, ça ne coûte rien. Et bien sûr, comme d'habitude, on met un tracé sur les vis pour être sûr de se rappeler de ce qu'on a serré. Voilà pour la pompe à eau, c'est fini. Alors, on va remettre le tendeur en place. Alors, un petit peu d'huile, parce que le mécanisme ici, quand c'est tout neuf ou quand c'est déjà utilisé, que c'est resté dehors, ça glisse pas beaucoup. Voilà, là ça glisse bien, donc on tire vers le haut et on enfonce. Voilà. Et après, on laisse venir un cran. Voilà. Et on revient, ici il y a un trou. Vous mettez juste la bague, enfin le tournevis, ça y est, le tendeur est rentré, il sort pas. On le prépare. On va remettre sa chaîne de distribution. Alors, on reprend les repères. Ici, comme ça, un repère. Alors, de ce côté-là, attends, Francky. Attends, parce que tu vas être face caméra. Attends, faut que je retourne le trou. Il est au fond. Là. Il est là, d'accord. D'accord, on repère. Donc, on met sa chaîne bien en place. On l'attend. Voilà. Tranquille, tu tiens là. Ça bouge pas, mais tu la maintiens parce qu'elle va vouloir partir vers l'avant. Donc, tu la retiens un peu en arrière. Ici, même topo, on place sur le point orange, sur le repère, voilà, on met, alors avant tout bien sûr, on remet la chaîne sur la pompe, on place, alors,
si on place tout bien, ça devrait se faire. Voilà. On place, nous on se sert du volant moteur pour placer, pour pouvoir bouger le vilebrequin. Voilà, on y est. Voilà, on est sur les points. Donc le point sur l'axe. Pareil ici, vous avez le point. Et ici, vous avez aussi le point bien en face. Vous replacez bien votre chaîne sur la distribution. Alors la chaîne a une particularité sur ce coup-ci, c'est qu'en fait elle est à cheval sur les deux engrenages. Voilà. Pour tendre tout le monde. Pendant qu'on y est, on va mettre du liquide, du frein à filet. Voilà. Comme ça, on est bien. Le groupe de serrage du tendeur est de 9,3 Nm. Donc, pareil. Hop. Tu marques. Et toujours, on marque. Je profite de ce moment de vidéo accélérée pour faire quelques précisions. Je ne suis pas un dieu ou un saint de la mécanique. Mes vidéos de montage ou de préparation n'engagent que moi. Ce que je veux dire, c'est que toutes mes réalisations sont faites avec de la passion, de la recherche d'informations et une envie de toujours faire bien et plus encore, avec le plus possible de minutie et de réflexion. En conclusion, pour moi, c'est la meilleure façon de faire, à bon entendeur. Couple de serrage sur les arbres à cam, on est à 103 Nm. Donc on va s'aider d'une clé de 24 pour coincer l'arbre à cam. Boulons ici, on est à 9,3 Nm parce que je vais pouvoir l'enlever sans que ça m'embête pour mettre du frein filet en précaution. Qui est inséré à 15,7 Nm.
fait le tour. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Les joints, ils y sont, les deux joints, ils y sont. Là c'est fait, ça aussi c'est fini. Ça, ça c'est bon, ça c'est collé. D'accord, bon, bah voilà, tout y est. Yeah.
On va remettre en place le système de déphasage des arbres à cames. Donc, comme d'habitude, on met joint tout neuf. Ici, vous avez des joints, il y en a trois. On va mettre tout ça et on va voir ce que ça va donner. Donc, les nouveaux joints sont ouverts en fait. Truc de fou quand même. Donc voilà, ça c'est le nouveau joint et ils sont, hop, on voit pas. En fait ils s'ouvrent pour pouvoir être mis sur l'as. Couple de serrage des boulons. Ici, on est à 11,3 Nm. Allez, c'est parti. Et dans l'ordre, s'il vous plaît. Donc le 1, le 1, le 1, le 1, c'est le milieu. Allez.
Premier serrage des vis des cages culbuteurs. Il faut serrer ça à 2 Nm dans un angle bien précis. Et après, on fait un deuxième passage à 8,3. Allez, on y va. Les cages culbu à 8,3 Nm. Premier passage donc encore une fois à 2 Nm et la deuxième on va passer à 8,3. Là, je suis de l'autre côté du moteur, je vais enlever la partie du différentiel avant qui semble être comme un cardan, tout simplement. On va le replacer tout de suite sur l'autre moteur. Donc ça. On remet l'axe cardan directement. Donc là, il y a un joint spi, hein. Donc on fait attention au joint spi quand on le remet. À pas l'abîmer parce que tout ça c'est dans un bain d'huile. Donc comme je vous dis, je travaille proprement, ça veut dire que je remets les boulons, voilà, toujours derrière, comme ça je suis sûr de pas les perdre et surtout de garder l'emplacement où ils doivent aller. Hop, on les serre juste un petit peu. Et pour l'instant, étant donné que je sais pas comment ça se passe de l'autre côté, faut que je le démonte. Donc déjà le moteur il peut recevoir le cardan gauche. Alors quand on parle de voiture, quand on situe une pièce sur une voiture, on se considère comme si on était assis côté conducteur, hein, dans une voiture, et on décrit le côté d'une voiture quand on est assis au volant. Donc là, c'est le cardan gauche, le support cardan gauche. Là, je démonte le différentiel qui est ici parce que je dois monter tout ce qu'il y a dedans, je dois le monter dans ça, dans un qui est forgé, tout simplement. Voilà. Parce qu'en fait, quand il y a des grosses accélérations, le différentiel se déforme et en fait les engrenages ils se mettent mal et du coup bah tu casses un engrenage. Bon. Ou tu peux casser pire, donc autant tout de suite faire le nécessaire afin de virer le problème, tout simplement. Alors comme je suis en contact avec Jimmy Supra, ça lui est arrivé, donc voilà, c'est pour ça que je fais les choses comme ça, je serai pas emmerdé.